Connectez-vous. Salut, salut. Joyeux Noël à vous. Bonne heureuse année déjà anticipée. J'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous informer à propos de comment intégrer le mouvement Génération Capable du docteur Simon et Yves Gbagbo. Ce sont quelques petites informations pour vous diriger afin que vous soyez des membres, afin que vous souteniez ce mouvement de Maman Simon et Yves Gbagbo, mais qui ne sont pas limités. Alors, on va commencer par quelques plages de musique et nous allons entrer dans le vif du sujet. C'est du cidre doux, ce n'est pas de l'alcool. On va écouter Sidiki et on va commencer la vidéo. Soyez relax, prenez votre temps, écoutez. On n'a aucun droit sur cette musique. Je vous souhaite un joyeux Noël, une belle et heureuse année, surtout à tous mes abonnés sur Facebook. Je pense ici à Ekissé des États-Unis. Je pense à maman Boabi Nicole. Je pense à maman Noir et Ben. Je pense à tous mes abonnés sur Facebook. Et tout à l'heure, je pensais à mes abonnés de YouTube qui sont très fidèles, qui ont été géniaux cette année 2021. Et donc, je leur dis merci. Je vous dis merci à travers cette vidéo.
pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos suggestions. Je vois vraiment que vous êtes à l'écoute et que vous aimez vraiment cette chaîne. Je vous en remercie. Je profite aussi pour cette plage musicale et cette vidéo pour souhaiter joyeux anniversaire à, je crois, la Force Tranquille. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je souhaite un joyeux anniversaire à Dexter Hamilton, un ami de lutte, dessin animé, politologue. Je te fais un gros coucou, dessin animé, pour ton anniversaire. Et je salue en passant tous mes frères cyberactivistes, maman, Babo, la grande sœur BTB, Mataba, Sonak Sonak, Marie-Jeanne Tabo, Lilioué, Aïlé Kouché, Black Modo, à qui encore, à Clarisse Nopo, à Patricia Gibanos, à tous mes frères cyberactivistes. Je m'en excuse si je n'ai pas dit certains noms. Vous êtes tous dans mon cœur. À la Zambrotte et à Olivier Monac, je vous souhaite de gros bisous et puis joyeux Noël et puis une bonne et heureuse année à vous tous, mes frères cyberactivistes. À Balouna Balouna, à Carton Noir, à Lunettes Noires, à Jesse, New Jersey 24, je te souhaite un joyeux anniversaire. Amine, plutôt un joyeux Noël, une très bonne année. Je souhaite aussi une belle année, une joyeuse année à Soroïs, au PDCIS, Salomon le Sage, à Dièse Vérité, à Marie JJ, à JJ Complet. Je vous souhaite vraiment que de bonnes choses. Merci pour votre travail, merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes mes frères, je pense à vous, que Dieu vous bénisse, vous tous, mes frères cyberactivistes. Alors, à travers cette vidéo, à travers ce petit direct que je fais, je voudrais solennellement dire merci à tous mes abonnés sur YouTube qui ont permis que YouTube Lisa Vanta aille de l'avant. Je vous souhaite vraiment de joyeux Noël, de très belles fins d'année. Et puis une très très bonne année 2022. Je sais et j'espère qu'on sera encore ensemble. Je veux solennellement citer vos noms pour votre, votre abnégation, votre dévouement, votre désintéressement, votre volontarisme, vos encouragements, vos suggestions. En tout cas pour tout le travail que vous avez abattu sur cette chaîne, que vous avez permis de permettre que la chaîne aille de l'avant. Tout votre soutien à maman Simone et Yves Babo, les difficultés, en tout cas, pour votre écoute, vraiment, à travers cette vidéo, je vous fais vraiment, vraiment, vraiment un grand merci et je vous tire mon chapeau. Que Dieu vous le rende au centuple, que vous soyez bénis dans vos familles respectives, que vous ayez une année 2022 ensemble encore. Je vous fais cette surprise-là que je vous avais annoncé dans sur la communauté. Alors, le plus grand des fidèles de cette chaîne, celui qui a remporté plus de commentaires, qui a été vraiment actif sur Lisa Vanta, la palme d'or revient à Fort Africa. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est un bout de chou, c'est un grand frère, c'est un monsieur, c'est un jeune homme
vraiment qui a été très génial sur la chaîne, les encouragements, les cœurs, le soutien, c'était vraiment impeccable. Et la Palme d'Or lui revient en cette année 2021. Les années passées, j'avais fait la même chose. C'était une dame du nom de... Ça s'appelle la belle Charlène qui avait été très active sur ma chaîne YouTube. Mais cette année, elle est du côté de Elvic TV. C'est toujours la Côte d'Ivoire qui gagne. Et donc, je suis très heureuse de vous annoncer solennellement que For Africa a été l'un des commentaires le plus actifs sur Lisa Vanta en cette année 2021. Donc, je te remercie pour cet encouragement et je te fais un gros, gros bisou depuis ta position. Et ensuite, les autres personnes qui suivent, qui ont été vraiment actives, je vous fais de gros coucous. Ceux que je n'ai pas cité vos noms, sachez que vous êtes tous dans mon cœur. Je fais un post pour vous et ainsi de suite. Quand le temps, quand tout nous va nous permettre de professionnaliser cette chaîne, je pense que je vais faire même des prix et puis même je vais faire des cadeaux, je vais expédier des cadeaux à ceux qui participent, car c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Nous voulons que nous soyons libérés de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le troisième mandat, le quatrième mandat, ça ne peut pas se le faire. Et donc, lorsque vous êtes présent sur la chaîne, vraiment, ça encourage, ça nous permet de faire les vidéos aux suggestions, etc. Alors, je fais un coucou en passant à Ivoire Patriote, Apisitka, Onel World, Vicky Vicky, Julienne Ake et Léonore Bettina, Camus Ingesson, Hélène Boussouna, Lydia Atemimo, mais Joe, Faveur Divine, Félicité Cagnon, Yasmine, Rita Komara, Yamé John, Yamé John, Evelyne Kwadjo, Hélène Aoulan, Bertine Mathias, Victoire Pokpa, Mé Nounou, Princesse Divine, Christiane Obou, Mossi Kwasi, Habib Baro, Loulou Beka, Valérie Diallo, Djiboua Les Blés, Amenon Aka, Maya Tia, Sophie Rose, Faveur Divine O, Mimi Z, Solène Méziane, Monica Asso Moli, Yvonne J, Valérie Diallo, Marie-Thérèse Atu, Leslie Kofi, Véronique Ake, Pearce Babette, Peggy Menene, Cri Cri Sti Corpus, Paulin Blin et Loiflin, Ma Faith, Sofiane Senoussi, Alou Yao et enfin Mosia Asante Ya. Je vous remercie, vous qui êtes sur cette chaîne et qui avez commenté toute l'année 2021. Merci pour votre fidélité. On est ensemble et nous allons commencer une nouvelle année. Je vous soutiens aussi dans tout ce que vous faites et que Dieu vous, vraiment vous bénisse dans vos familles et que l'année 2022 soit une année très très bonne pour vous. Alors, après ceci, cette vidéo que je vais faire, elle ne va pas vraiment durer. Ce sera une vidéo, comme je vous avais promis, à propos du mouvement Génération Capable. Comme j'ai dit, ce n'est pas de l'alcool, c'est du cidre doux. Alors, comme je disais, je vous avais annoncé dans une vidéo que nous devons nous apprêter pour le mouvement Génération Capable. Après le discours de Maman Simone et Yves Gbagbo, vous avez été tous témoins, qui est prête à aller à la réconciliation, mais avant cette réconciliation et tout, il fallait avoir, c'est-à-dire, il allait avoir ce processus de pardon, de pardon, de restitution et aussi de dommages et intérêts, c'est-à-dire des
restitution, réparation et puis dommage. Donc, c'est-à-dire, elle vous a expliqué où elle disait que ben, ceux qui ont pris le mari des gens, qui le donne, ceux qui ont pris les femmes des gens, qui le donne, les champs des gens, les maisons des gens, les terrains, les forêts, etc., etc. Et donc ici, après ce discours-là, nous, sur la toile, nous qui supportons Maman Simone et Yves Gbagbo, dans sa vision pour la Côte d'Ivoire, nous devons être proactifs. Nous devons être proactifs, raison pour laquelle nous sommes déjà mis au travail. Dans les coulisses, nous avons discuté et nous continuons de discuter. Vous êtes tous la bienvenue pour faire votre suggestion, etc., etc. Mais dans une organisation telle que le mouvement Simone et Yves Gbagbo, qui est national et, je peux dire, international, il nous faut vraiment nous organiser. C'est ainsi que nous avons commencé déjà à suggérer et à vous informer de comment est-ce que nous allons procéder pour que nous soyons tous regroupés, répertoriés et puis être au parfum des informations, être au parfum du déroulement, de l'avancement de ce mouvement Génération Capable du docteur Simone et Yves Gbagbo. Et donc, moi, je vais prendre le cas des États-Unis. Déjà, aux États-Unis, il faut savoir que ce genre de mouvement commence toujours par des coordinations. La coordination des États-Unis est déjà en place. Elle est déjà en avance. Et donc, elle est comme un modèle, elle est comme un témoin, elle est comme une mise en œuvre pour que toutes les autres coordinations en Côte d'Ivoire et même en Europe puissent être calquées dessus pour pouvoir être mis en place. Il faut vraiment que nous nous organisons. Il faut que vraiment nous soyons tous dans les rangs. Il faut que vraiment nous soyons obéissants. Il faut que vraiment nous nous mettons en rang de bataille. Je ne vais pas vous en dire plus parce que déjà, le docteur Simone et Yves Gbagbo vous a déjà dit qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui sera de ce mouvement. D'accord? Et donc, il faudra que vous vous mettez en coordination. Celui des États-Unis est déjà fait. Celui des États-Unis est déjà fait. Si vous avez des questions, vous pouvez me voir sur Lisa Vanta, YouTube, pas sur Facebook. Sur YouTube, vous pouvez me contacter sur Lisa Vanta, sur YouTube. Et je vais vous donner de simples informations. Et donc, comment est-ce que nous allons nous répertorier en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Europe? Alors, il faut savoir que il y aura un site qui sera mis en place pour le mouvement Génération Capable. Et à travers ce site, il y aura un fichier qui sera mis en ligne pour que vous ayez vous inscrire là-bas. Pour le moment, il est en cours de formation, ce site-là, en cours de mise en place. Et aussi, plus tard, il aura, malgré les coordinations, par exemple la coordination Italie, la coordination USA, la coordination Afrique du Sud, la coordination Congo, la coordination Bénin, la coordination
Mali, Burkina Faso, etc., etc. Ça, il faut contacter, il faut contacter le QG, c'est-à-dire il faut contacter Abidjan. Il faut contacter le docteur Simon Ivo, c'est-à-dire il faut contacter elle-même ça, son staff. Et quand c'est comme ça, quand vous êtes dans des pays où vous n'avez pas des gens qui parlent de vous, des vidéomans, il faut contacter Abidjan. Vous pouvez aller sur le site du docteur Simon Yves Gbagbo et demander comment est-ce que vous pouvez intégrer ces coordinations-là, ces coordinations dans les pays, dans tout le monde, en Europe, aux États-Unis ou même en Afrique. Et donc, après cela, il faut savoir aussi qu'il y aura des sous-groupes. Ces sous-groupes-là, ça sera des sous-groupes selon la grande sœur Naomi Vetiede, ce sera des groupes en ligne, c'est-à-dire ce sera des cyber-activistes qui seront désignés où vous allez aller vous, vous inscrire avec eux. Lorsque vous allez vous inscrire avec eux, il sera élaboré avec ces personnes-là dans le groupe avec les cyber-activistes. Vous aurez des réunions, vous aurez des informations, ainsi de suite. Tout ceci, c'est pour que vous vous inscrivez sur ces cyber-activistes-là. Par exemple, si vous aimez la tête de Lisa, vous pouvez venir vous inscrire chez moi. Je garde vos noms et vos coordonnées, etc. Et vous vous inscrivez aussi en ligne. D'accord? J'ai vos noms et après vous vous inscrivez en ligne, etc., etc. Et ainsi de suite. Comme ça, vous avez une direction où partir. Lorsque tout le monde va à gauche, tout le monde va à gauche. Lorsque tout le monde va à droite, tout le monde va à droite. Il faut que nous soyons vraiment, vraiment, vraiment organisés. Pour le moment, les groupes, les cyberactivistes qui vont désigner ou qui vont dire, par exemple, Lisa, elle, vous pouvez aller vous inscrire sur, avec Lisa aux États-Unis. Tous ceux qui sont aux États-Unis viennent s'inscrire, c'est-à-dire viennent avec moi pour, par exemple, travailler avec moi, suggérer avec moi, demander avec moi, etc., etc. Plus tard, je vous en dirai plus à propos de ces petits groupes sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, ces groupes-là, ça sera fait par affinité. Par exemple, si vous aimez la Gosna Kofi, vous partez la Gosna Kofi. Si vous aimez les filles de Saïwa, vous allez partir. Si les filles de Saïwa sont désignées comme une tête de groupe, vous allez aller vers elles. Si vous aimez Lisa Vanta, vous partez chez Lisa Vanta. Si vous aimez Maman Gbagbo, vous partez dans le groupe de Maman Gbagbo. Ainsi de suite. Ou bien Balou Nagbalou, ou Carton Noir, ou bien Lunettes Noires, etc., etc. Vous inscrivez avec eux et vous aurez des réunions avec eux. Ça peut être des réunions en ligne. Eux-mêmes, ils vont s'organiser. On va vous dire comment est-ce que vous pouvez vous mettre en sous-petit groupe pour passer l'information. Pour passer l'information, pour entendre l'information, pour être au parfum de tout ce qui se passe en propos de ce mouvement Simon et Yves Gbagbo, qui est le mouvement Génération Capable. Et donc, plus tard, il y aura des communicants qui seront désignés pour ce mouvement. Pour le moment, je ne vais pas anticiper les choses. Quand le moment sera venu, on nous fera savoir quels sont les communicants, etc., etc., pour ce mouvement de Maman Simone et Yves Gbagbo, sinon le mouvement Génération Capable. Et donc, une dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que lorsqu'il y aura le site du mouvement
Simon et Yves Gbagbo, c'est-à-dire le mouvement Génération Capable du docteur Simon et Yves Gbagbo, il aura une télé qui va aller avec. Et les cyberactivistes vont passer sur cette télé-là, sur ce site-là, pour parler de la vision, pour parler de la feuille de route, tout ce qui est de ce mouvement-là, etc., etc., omis ce que les cyberactivistes font sur leur page ou le docteur Simon Gbagbo même fait sur sa page officielle, etc., etc. Je pense que j'ai tout dit et c'est ainsi que nous allons respecter tout le monde. Et donc, je parle aussi aux Africains qui me contactent sur Lisa Vanta à propos de leur coordination. Pour vos coordinations, il faudra que vous contactez le site officiel de Maman Simone et Yves Gbagbo sur Facebook et ils vous donneront de plus amples informations. Et donc, comme j'ai dit, soyez prêts. Suivez les informations. Si j'ai des informations, je ferai des vidéos à propos de ce mouvement Génération Capable du docteur Simon et Yves Gbagbo pour la vision de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Si vous avez des questions, contactez-moi sur YouTube Lisa Vanta et je serai ample à vous répondre. Je vous remercie et à très 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 bientôt. C'était votre Lisa. Bye.